Salut les amis, on se retrouve au bord de l'eau. Vous avez vu le locus de la pêche des grosses brèmes. On va essayer d'en refaire aujourd'hui. Je me donne à peu près 4 heures de pêche pour essayer d'en retoucher des grosses. Particularité aujourd'hui, c'est que les carpes frayent. J'en ai vu quelques-unes remonter sur la droite, des gros pépères, des grosses carpes. On aura peut-être des images, peut-être c'est possible, des images de la fraise, toujours sympa. Puis moi j'aime bien ce poisson, hein, la carpe, je l'adore, donc je peux immortaliser quelques images. Je préfère arrêter la pêche et aller voir les carpes. C'est comme ça la passion, les amis. En tout cas, aujourd'hui, donc, on va faire deux pêches. Alors, si vous n'avez pas vu le premier opus, je pêche des grosses brèmes à la canoë feeder. Je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Bien sûr, vous enregistrez et puis vous continuez à regarder cette vidéo, c'est quand même plus important. Durant mon premier film, j'ai pu voir qu'on avait eu des petits soucis techniques avec le micro, donc du coup j'ai pas pu aborder trop mon approche personnelle. On a vu celle de Nicolas sur une pêche traditionnelle. Là j'essaierai au cours de cette vidéo de vous montrer comment j'ai pêché. Vous allez le voir, de toute façon il n'y a pas de problème, je vais tout vous montrer. Mais du coup aujourd'hui je vais vraiment avoir toujours la même approche en mode carpiste, c'est-à-dire méthode avec des petits appâts dumbbell. J'ai pas d'appât vivant, donc j'ai pas d'asticot, j'ai pas de verre, je reste vraiment pas traditionnel du tout, mais un peu, on va dire un peu plus pêche moderne. De toute façon, sur les grosses brèmes, on peut pêcher en mode carpiste. Là, on est quand même sur un plan d'eau où il y a continuellement des pêcheurs à la batterie, hein, des carpistes qui amorcent à la bouillette. Donc les poissons sont éduqués à ces appâts-là, donc ils tapent des grosses brèmes avec des bouillettes de 20 mm, et moi je vais présenter des appâts qui sont entre, on va dire, entre 6 mm et 8 mm de taille. Voilà. J'aurai quand même une canne aux méthodes, une canne à la cage, donc c'est pareil, je vous montrerai tout à l'heure, plus traditionnel du coup, avec de la farine. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez un magnifique sac, hein, qui est super. Du coup, là, j'ai sorti tous les amorces que j'avais stockées dans mon congélateur. Je les ai sortis hier, je vais en profiter pour les terminer. Comme je pêche au blanc la brème, il faut quand même pas mal avoiner. Donc là, je me retrouve avec différents appâts, différents amorces. Donc là, il y a des asticots congelés, il y a du maïs, il y a du chènevis ébouillanté. Donc en fait, c'est parfait pour mettre à la cage, ça va être excellent. Voilà, donc premier paquet. J'ai bien sûr des micro-pelés déjà prêts du coup, de 2 mm. Dedans, j'ai rajouté du viandox, spécial dédicace à mes amis de l'Est. Voilà, c'est pour donner un peu un rehausseur de goût. Donc là, ça sera pour le méthode pelé. Et bien entendu, là j'ai encore des mélanges, là il y a du pelé, enfin c'est des fonds de sac que j'ai mis dedans, que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Et de la farine aussi. Voilà. Donc j'ai vraiment un peu de tout là, je n'ai même pas besoin de commencer à mouiller. Peut-être certains connaissent, mais j'ai retrouvé ça dans les fonds de Messo, ça fait des années. Donc là je vais utiliser celle-ci, la Welco, une amorce jaune. L'autre fois j'avais essayé avec des amorces foncées, là je vais tenter avec une amorce jaune pour attirer plus les brèmes. On va voir, c'est juste pour essayer, je sais que ça marchait bien, rajouter avec des petits pelés. Pour donner un peu de couleur dans mon amorce sombre, là j'ai de la noix tigrée que j'avais concassée, ça met de la couleur. C'est vraiment pour attirer le poisson, quoi. Voilà en gros mon approche pour pêcher la pêche à la grosse brème, et puis on s'adaptera en fonction de la journée. Voilà. Allez, c'est parti, préparation de l'amorce. On va mouiller un petit peu d'amorce pour la laisser gonfler pour pêcher à la cage. Alors vous allez être surpris de voir des paquets aussi vieux. Bon, c'est vrai que donc c'est plus la farine dedans, n'a plus forcément de la fraîcheur qu'elle avait au départ. Bon, c'est conservé dans le noir et tout, mais comme je pêche beaucoup la carpe, j'utilise très rarement de la farine. Et comme là, du coup, je me mets à pêcher un petit peu la brème, il me faut un petit peu de farine quand même. Voilà. Donc je finis les stocks que j'ai chez moi. Il y a des petites particules, des couleurs. Moi, je vais y rajouter dedans, une fois mouillé, comme je disais tout à l'heure en introduction, la noix tigrée concassée, que j'ai concassée moi-même. Voilà, pour terminer, ça va faire un peu de couleur. J'y mettrai aussi, bien sûr, un petit peu de pelé que je vais utiliser aussi pour le méthode. Vous voyez, là, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est congée. Là, elle est prête, hein, je peux pêcher directement le méthode et les pelés méthodes sont prêts. Voilà. Allez, on continue. Alors, on va mouiller ça. J'en mouille pas énormément, c'est juste vraiment... Je pense que je vais mettre 2-3 cages à la cage, je vais amorcer quand même, je vais faire un tapis avec ça. De toute façon, il m'en reste encore la moitié d'un sac si vraiment je croyais que c'était efficace. Le but, c'est de faire venir les gros poissons sur le coup, simuler un amorçage de carpiste, on va dire.
Parce que bon, nos amis carpistes ont tendance quand même à mettre de la nourriture dans l'eau. Et pour essayer de bloquer les gros poissons sur le poste que je vais pêcher. Voilà. Donc là, c'est mouillé. On va laisser gonfler un peu les ingrédients. Et puis, on se retrouve en action de pêche. Donc en attendant que mes amorces soient prêtes, on va sonder déjà. On va regarder un peu ce que je vais pêcher à 40 mètres. De toute façon, à la distance maxi où je peux pêcher, en mettant une petite sécurité quand même, de façon à savoir si le poisson aurait tendance à avancer un peu sur l'amorce, que je puisse que ça soit atteignable en lançant. Comme je suis avec des cannes de 3 mètres 30, bien entendu, je suis limité en distance. Ah, il y a 80 cm, 1 mètre d'eau. Il n'y a pas énormément d'eau. Donc c'est à peu près tout plat partout. Ok. J'ai pas encore été au clip. Il va falloir que j'y aille. Bon, on a 1 mètre d'eau à peu près. Hein. Pour ça que on risque. Ah, je pousse. Voilà. Ouais, on va tenter un peu plus loin, je vais y enlever. Ouais, je pense que je suis à la bonne distance pour pêcher quand même. D'avoir avancé un peu la station dans l'eau, là je me suis mis en mode Sébastien Rousseau. C'est pratique. De toute façon, j'ai pas à bouger de la station donc. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai ça. J'ai entre 1 mètre et 1 mètre 20 de profondeur. Donc c'est une plage, donc une tache de bouffe, les poissons rentrent dedans et puis après c'est Festiland. Bah, du moins on espère. C'est de ressortir des belles brèmes comme la dernière fois. Donc celle-là elle est à bonne distance. Du coup j'ai tiré en face de moi. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est de se trouver un repère en face. Parce que sur des longues distances comme ça, bon, même si je pêche pas précisément, hein, je suis pas un expert du lancer, mais du coup j'ai trouvé une branche en face de moi qui a une couleur différente, qui est un peu blanchâtre. Voilà, on voit les carpes sauter en face sur la gauche. Donc là, celle-ci elle ira là. Et l'autre, je sais pas si vous voyez, mais il y a un poteau là-bas. Je vais aller vers la direction du poteau sur ma canne de droite. Donc du coup, cette canne-là va aller à droite et celle-ci à gauche. Voilà, faire deux postes différents. Pour l'instant, celle-ci, elle est montée. Eh ben, c'est bon. C'est celle qui est montée à la cage. Là, je vais mettre une cage directement. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'on se prend pas la tête. Il n'y a plus qu'à monter la cage. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok, c'est propre, il n'y a pas d'herbier, c'est nickel. Bon, on va pas foutre le bordel. On va aller voir l'amorce. Donc là, je viens de remouiller mon amorce. Alors, ce que je disais, donc c'est l'amorce que j'ai préparée. Donc elle a gonflé un peu. Je l'ai remodifiée, vous voyez. Et dedans, j'ai rajouté ce que j'ai expliqué. Là, il y a du maïs, des asticots morts que j'avais congelés. De la noix tigrée. Vous voyez, il y a de la couleur. Je pense que cette couleur-là va attirer les brèmes. En tout cas, tirer le poisson. Donc ça va pas être pas mal pour pêcher à la cage, c'est ce que je vais utiliser. Et puis aux méthodes, ça sera plus du pelé, 100% pelé. Quoi. Bon, on va passer par l'amorçage d'abord à la cage. Donc normalement, si on est puriste, on enlève le bas de ligne. C'est ce que je vais faire. Voilà. C'est là où faut que je sois. Là, j'ai carrément la butée. C'est un peu mieux là. Il faut que j'essaye de lancer toujours là. Ouais, faut pas croire, mais le feeder sur des longues distances, c'est une pêche quand même assez dynamique.
Il faut envoyer du lourd, comme on dit. Bon, là, je suis sur une cage, j'envoie pas des grosses quantités de bouffe non plus, mais je peux pas. J'adapte. Il y a une carpe qui vient de remonter. Oh, je pense que les amis. Voilà. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais j'ai une carpe qui vient de remonter à. Sur ma droite à 10 mètres là. Elles sont là. On va peut-être les voir passer, hein, si possible. On peut fouetter quand même avec cette canne, c'est ça qui est bien. Bon, bah c'est parti. Bon, les amis, enfin une brème. Yes. Ouf. Eh ben dis donc. Ça plaît désirer. Hein. Ah. Yes. Au pelé. Parce que là, c'est compliqué avec la fraie. Mais bon, pas capot. Peut-être que ça va enfin rentrer. Ça fait comme la dernière fois, j'ai attendu un moment avant que ça rentre. Ça fait avoir avec le petit dumbbell. Voilà les amis. Allez, c'est compliqué, je filme pratiquement pas, c'est un poisson, là ça y est, ça a enfin rentré un petit peu, mais c'est dur dur. Mais l'objectif de faire des grosses brèmes est toujours là. On va reprendre les égorgeoires. S'il n'y a pas la quantité, au moins il y a la qualité. Toujours un montage ICS, méthode, un petit bas de ligne de 10 cm avec une riz et un dumbbell. Voilà les amis. Hop, allez, zou. Dur, dur. Mais bon, faut être patient. C'est pas une pêche de rendement aujourd'hui. Ah, c'est bon ça. Donc là, je suis avec une cage, j'ai remis une cage avec du maïs et ma farine que je vous ai montré ce matin. C'est vraiment bizarre la pêche. Vous êtes des heures à attendre et puis là, vous faites deux touches en l'espace de rien. 10 minutes. Ouais, c'est une brème. Ouais. Je suis embêté avec le pollen, ça se prend dans les anneaux de la canne, c'est chiant quoi. Comme je suis au nylon en plus, ça coupe pas du tout, donc voilà, encore un beau plateau là. Celle-là au maïs. Ouais. Ça fait son poids. Voilà, voyez, beau fiche, zou. Ah. Voilà. Alors je mets 3 maïs sur un hameçon de 16. Je suis en 16 en 18 centièmes. Et si vous posez la question, je pêche sans ardillon. Voilà. Ensuite. Là, je mets un peu de maïs dans le fond de l'amorce. Hop, je fais un bouchon avec du maïs à l'intérieur. Bon, je suis toujours sur l'amorce de ce matin que je vous avais montré. Hein. Yes. Oh. Ah, le vent s'est levé les amis.
c'est compliqué, mais je le dis depuis le début de la vidéo que c'est compliqué. J'étais en train de me dire encore un quart d'heure et j'emballe, je range. Le vent, ça, par contre là ça m'a permis de nettoyer un petit peu ce pollen de surface là, qui accroche dans les lignes. Je pensais qu'avec le vent ça allait bouger plus, mais ça reste éphémère, hein. C'est des bancs qui passent. Encore une belle. Bon, par contre c'est des beaux poissons, comme vous pouvez le voir. C'est pas des petites brèmes. Hein. Nickel. Allez, hop, viens dans la boîte. Même pas besoin de dégorgeoir. Oh, plateau. Ah les amis, un beau plateau. Hop. Allez, ça continue. On dirait que ça a l'air de rentrer en fin d'après-midi. Bon, il est que 15h, hein, mais ça a peut-être bougé avec le vent, c'est pas plus mal. C'est dans ma ligne. Oh les amis, une carpounette. Oh, décroché. Oh dommage, j'ai loupé la carpe. Oh dommage, c'était une carpe, une carpounette. Bon, on va essayer de ce coup-ci de ne pas décrocher. Bon, ça rentre vraiment aux méthodes, hein. La cage pour l'instant. Un beau poisson les amis. Ouh là 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 là. Un paveton de. Ah, je crois que c'est ma plus grosse de la journée. Voilà. Ouais. Ouah. Là. Un beau paveton. Regardez-moi ça. Impressionnant. Nickel, si t'es venu pour ça, enfin, elle rentre. Allez. Écoutez, si ça veut rentrer, au moins. Le petit montage. Voilà. Commencez à connaître. Hein. Un petit dumbbell. Donc c'est. Moi j'utilise cela. Hein. Hop. Les pineapples. Les ananas. Alors, moi je trouve que la petite vrille c'est top parce qu'en fait ça dégage vraiment l'hameçon. Votre appât de l'hameçon et ça c'est top quoi. Voilà. Vous voyez. Ah, j'ai vraiment pas attendu longtemps entre les deux touches là. Bon, je loupe une carpe avant là, mais bon les amis, cette petite session se termine. Une pêche aux méthodes feeder et à la cage. Comme vous avez pu voir, ça a été compliqué au début de la matinée. Les poissons ne sont pas rentrés tout de suite, comme la dernière fois, pareil. Alors c'est sûrement mon approche et méthode qui doit être la raison. J'ai pas de farine
fort puissante pour la brème ou mettre des arômes pour faire venir la brème. Donc je pense qu'il y a un petit moment pour qu'elles deviennent. Et une fois qu'elles sont là, au pelé, alors par contre, elles adorent, je pense que c'est lié aussi. Elles sont vraiment habituées aux appâts des carpistes, hein, donc dès qu'elles rentrent dedans, elles lâchent plus, quoi. Bon, là aujourd'hui, on était quand même sur une pêche de poissons qui passent. J'ai pas réussi à les maintenir dans la zone où je voulais pêcher. Je vois bien, de toute façon, j'ai eu pas mal de... Vous l'avez pas vu pendant le film, mais j'ai eu pas mal de touches sur les deux cannes en même temps. Néanmoins, c'est quand même une méthode aujourd'hui qui remporte cette partie, comme la dernière fois encore. La cage, c'est bien pour amener de la farine, pour amener de la nourriture, pour faire son poste. Puis après, derrière, passer aux méthodes, quoi, c'est pas mal. J'ai même pratiqué la même technique que la dernière fois, c'est-à-dire j'ai volontairement mis un poste où j'ai pas mis de farine, j'ai amorcé au pelé en lançant au fur et à mesure mon méthode dans la journée. Et c'est rentré en fin d'après-midi quand le vent s'est levé. Je m'en sors pas trop mal. Franchement, je pensais que ça allait être une catastrophe parce que j'avais quoi aller. J'ai la première brème, je l'ai fait au bout de 3 heures. Après, j'ai fait deux poissons la suite. Après, plus rien. Je me posais la question si franchement, il ne fallait pas mieux que j'arrête. Et j'ai voulu rester, persister. Le vent s'est levé. Je pense que ça a aidé aussi parce que c'était mer d'huile, on va dire étang d'huile. Il n'y avait pas un poil de vent ce matin et en début d'après-midi. Et là, le vent avec un... Ah, et le vent s'est levé en fin d'après-midi. Un départ en direct, c'est top. Pour finir cette vidéo, c'est top. Voilà, et en plus, ce qui est cool... Ah, décroché, dommage. Ce qui est cool en plus, c'est que je touche deux carpes. J'en perds une en épuisant, vous l'avez vu, en sortant l'épuisette. Là, je sais pas ce que c'était. Voilà, j'ai perdu le poisson. C'est décroché, mal piqué. On va essayer quand même. Je vais relancer la ligne. En tout cas, c'était une super journée. Donc, ce que j'ai pu vous montrer, c'est qu'en pêchant d'une manière simple, à la mode Titi, comme d'habitude, hein, méthode feeder, les ICS qui sont parfaits pour justement pouvoir passer d'une cage à une méthode, enfin différents modèles. Les fameux badines, vraiment, c'est mon coup de cœur. Moi, j'en suis super content, quoi. Que ça soit la carpe à la brème. La particularité, quand même, que j'avais pas dit lors de ma dernière vidéo, toujours pareil, si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît, enregistrer, regardez-la après. Mais j'ai quand même pêché avec un appât décollé. Et la tanche, la brème, ça marche aussi. Voilà. En tout cas, c'était quand même pas mal. Je suis super content de cette journée. Bon, ça n'a pas été... Je cherchais à faire des gros spécimens, des gros poissons. J'ai réussi. Vous allez voir, j'ai fait deux, trois grosses, vraiment trop grosses brèmes. Et puis une magnifique tanche. Ça me fait plaisir. Une carpe, bien sûr. Une carpe commune, toute petite. Malgré la fraie aussi, hein, là ça s'est vraiment calmé la fraie, c'est pareil, ils ont fait un bordel toute la journée, et puis là depuis que le vent s'est levé, on les entend plus. En tout cas, ils font plus le bordel sur mes berges de mon côté. Les produits que j'ai utilisés, hein, vous l'avez vu ce matin, hein, c'est que des produits sortis du congélateur que j'avais mis de côté. Quand j'ai fini ma pêche, je congèle maintenant. Et ça marche très très bien aussi. Hein. Voilà. D'accord. Eh bien, ça c'est top. Je viens juste de lancer et le poisson a tapé dessus. Ils sont revenus. Oh, c'est fou ça. Donc le banc est là. Bon, on continue. Voilà. La pêche atypique. Vous pêchez toute la journée, vous attendez les touches. Là, je fais la conclusion. Je décroche un poisson, je relance. Et juste derrière. Oh, super. J'aurais fait tous les poissons aujourd'hui. Je suis content. Un magnifique rotangle. Alors là, franchement, un beau bestiau. C'est une pêche comme on les aime. Voilà, ça change un peu de la carpe aussi, c'est sympa. Surtout des gros poissons, quoi. Voilà. Regardez-moi ça, ce joli rotangle. Wow. Hop. Eh ben, j'aurais fait tous les poissons. Eh, j'ai encore une touche. Oh là là, la folie. Eh les amis, fallait que je fasse la conclusion. C'est l'autre canne qui part. Ah. Alors là, c'est énorme. Voilà, ce que j'expliquais, c'est ça la pêche au feeder. Ah, décroché. Oh là 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 là. C'est pas possible. Ah, c'est dommage.
Ouais, vous voyez, vous êtes 2 heures, 1 heure à attendre une touche, et là vous faites une... Bon, on va attendre que la moto arrête de faire le bordel. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu aussi. Les poissons sont là en tout cas, parce que à peine lancé. Bon bah attendez les amis, hein. On en refera après la conclusion. Ah, c'est une folie ça. Bon les amis, je reprends ma conclusion avec ce magnifique vent de face. Alors je disais en fait, c'est ça la pêche, hein. C'est, vous allez attendre longtemps. Et puis en l'espace de 10 minutes, ça redémarre sur les deux cannes. C'est incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne partez pas parce que à la fin de cette conclusion, vous allez découvrir les poissons pour ceux que ça intéresse. Ceux qui découvrent la chaîne et qui veulent continuer à me suivre, bah, abonnez-vous. Mes fidèles abonnés, bah, je compte sur vous pour me laisser un petit message en dessous dans l'espace commentaire. Et vos réactions par rapport à ces deux vidéos, hein, du coup, qui sont un peu atypiques par rapport à ma chaîne. Mais bon, de temps en temps, c'est bien de montrer autre chose. Et puis, moi, je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu. Je ne vais pas quitter la carpe, hein, je vous rassure. Hein, c'est mon poisson fétiche. Mais faire des poissons de ce taille-là au feeder, c'est plaisant. Maintenant, faire de la carpe, c'est plaisant aussi. Hein, c'est top aussi. Hein, chacun ses goûts. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces vidéos. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse de temps en temps pour changer un petit peu? On fera une rubrique peut-être spéciale pour que les gens puissent se retrouver. Mais c'est votre chaîne aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, bah, le petit like, comme d'habitude. Enfin, j'aurais fait tous les poissons du coup de la carpe. J'aurais fait une carpe. J'en aurais décroché une. J'aurais fait une tanche. Des belles brèmes. Donc la totale, quoi. Super. Voilà, une belle journée qui se termine avec le soleil. Bon bah les amis, il y a du poids. Ah ouais, c'est bien, c'est grand, mais... Voilà. Regarde si... Oui, il en reste une. Non, 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 non. Hop. Ça doit être bon. Bon, voilà, les amis. Une pêche aux méthodes feeder. Fatigué le garçon avec une magnifique tanche, super, franchement beau poisson. Allez, on va faire partir les mémères. Hop, en fait oui, c'est une carpe, je croyais que c'était un carpe commune, une petite carpe commune. Bon, ça a de la vinache, ça. Hop, j'avais fait un beau, il est où, un beau gardon, un beau rotangle. Là, franchement, et tout ça en méthode feeder avec un dumbbell, hein, n'a pas décollé, avec des pelés de 2 mm hein, en mode très simple. Hop, et les brèmes, hop, voilà un plateau nickel. Allez, une, parce que je n'ai pas compté. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Allez. Allez mesdames, hop, hop, 10 et 11, 11 brémousses, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, bye bye. Bah, vous êtes encore là? Mais c'est fini la vidéo les amis, faut partir. Enfin, je profite, moi, il faut que ça sèche un peu, donc comme les poissons sont là, j'essaie de refaire un ou deux poissons, quoi. Mais
Allez, salut.